très bien. Papa, je ne peux trouver personne. Ah, que tu es belle, ma chérie. Merci. Quand mon père me demande de dîner avec lui, je m'efforce de lui faire honneur. Tu ne trouves personne? Non, je sais où est Kelly, mais Brandon et Gina... Ah ben, Gina a emmené Brandon à Los Angeles rendre visite à des amis pour le mettre à l'écart de ce procès. Ils doivent rentrer demain. Pour un repas de famille, il n'y a pas beaucoup de famille. Sophia, tu es déjà prête? Bon, très bien, je passe te chercher au pavillon avec la voiture dans 2 minutes. Papa, il y a seulement 2 couverts. Excuse-moi, chérie. Rose, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben voilà, j'ai eu un petit accident sur mon bateau. Une fracture? Grosse. Non, c'est des muscles français. Mais comment avez-vous fait ça? Un simple muscle français. Est-ce que vous pourrez dîner? Ah oui, dîner, bien sûr. Ah, j'aime mieux ça, oui. Bon, en route. Monsieur Capoel, est-ce que... on va dîner dehors? Non, Sophia et moi, on sort. Vous deux, vous restez. Au revoir. Papa, mais attends une seconde! Pourquoi? J'ai oublié quelque chose? Je devrais être furieuse que tu me fasses ça. C'est vrai. Je suis un vieil imbécile, tu le sais. Merci, mais ne répète à personne ce que j'ai dit. Et surtout, ne recommence jamais, ou je mélange tous tes dossiers. Oui, je t'adore. Bonsoir. Je crois qu'il n'y a que toi et moi et tes muscles froissés. Je peux t'aider? Non. Ah. Ben, comment tu t'es blessé? Ben, il faut dire que ton père a un certain culot d'avoir monté ce coup. Tu es furieux contre lui? Non, c'est contre moi. C'est contre moi que je le suis. À quel sujet? Bon, pour tout. Oui, moi aussi. Eh bien, la santé de... à la santé de ton père. Alors, comment tu t'es fait ça? Quoi? Bah, ta jambe. Ah, ma jambe. Eh bien, je suis monté sur une chaise pour fouiller dans mon placard et avec mon adresse habituelle, j'ai perdu l'équilibre. Et pourquoi tu fouilles dans ton placard? Ben, il y avait du fouillis et je voulais retrouver... Je voulais retrouver ta bague de fiançailles.